Erling Haaland est deuxième au Ballon d'Or. Est-ce logique? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Haaland, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, Erling Haaland est deuxième au Ballon d'Or. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Moi, je pense que du moment où Messi a fait une saison exceptionnelle, ça devenait très compliqué pour Erling Haaland de remporter le Ballon d'Or. Du coup, donc pour moi, cette deuxième place est logique. Il a remporté quand même une Ligue des Champions, une FA Cup, le championnat. Il est sorti meilleur buteur de la Premier League, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il sort sous le dos avec environ 56 buts marqués. Bref, il a été monstrueux au niveau des stats. Au niveau des stats, il était monstrueux. Maintenant, donc, comme je l'ai dit, il y avait Messi. Et c'est pour ça que Pep Guardiola disait, Messi devait avoir son prix à part. On devait créer un ballon d'or uniquement pour Messi et le reste pour les autres joueurs. Donc, s'il n'y avait pas Messi, pour moi, Alan devait remporter le ballon d'or. Il remportait le ballon d'or, mais dommage, les amis, c'est vraiment dommage parce que j'aurais voulu voir Erling Haaland remporter le ballon d'or parce que c'est un joueur, c'est aussi un joueur qui mérite ce titre, mais malheureusement, il y avait Messi devant lui, ça devenait très compliqué pour lui. Après, tu avais Kylian Mbappé aussi, mais Kylian Mbappé, il n'a pas remporté de titre majeur avec son pays, avec le PSG également. Il a seulement remporté une Ligue 1. Et la Ligue 1, on sait comment c'est léger aux yeux des gens. Donc, oui, la deuxième place convient à Erling Haaland. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.